Ma Mission TV, le miroir du monde. Je vais confier à lui, pique à mon Congo. A lui, il confie à Bétingaï dans mon Congo. C'est un major, il n'y a pas de confier à mon Congo. Bon, major, combien de confier à mon Congo? Il y a une ligne, Matunga. Aux autres, il y a la ligne, Awa. Il n'a pas qualité. Nous avons divorcé avec le ministère public. J'ai dit, je vous remercie. Il a un agenda caché. Parenthèse, où on a lobby et sa ligne. Même quand ils ont tiré attention, moi, on a dit qu'il y a des sabines. Et à la Sada. Ezala Moulanga, Ezala Toutou, Ezala Jacques Mugabe, Baza Esika Moko. Bazo se communiqué Bidoko Nini Bakoloba. Je ne sais pas ce qui court Ezali au courant ou pas. Na ce qui wan. Malak Sibiso chauffeur, chauffeur et wana moke neosa, bobo mae. Parce que nous avons battu, nous sommes bas à Koloba, moko boma, et c'est au boma. Il faut qu'on a déjà vérité parce que tout ça a pour qu'on a vérité. On a prévenu bien sûr, mais pour qu'on a vérité. Il faisait partie de cette équipe-là. Et puis à un moment donné, je les avais remerciés parce qu'ils commettaient beaucoup de fautes. Ça c'est faux, il n'a jamais été dans mon bureau avec les chrétiens. C'est lui, ce que j'avais reçu dans mon bureau, c'est Christian avec Jacques Mugabo, pas lui. Au courant de cette audience, c'est vous qui avez qui était la pièce maîtresse dans le dossier Chebeya. C'était vous. Il vient d'arriver. Mais il dit exactement ce qui s'est passé. Maintenant, devant la cour, on dit dans son arrière, c'est faux, je n'ai reçu personne. Mais comment lui peut-il mentir qu'il était dans votre bureau alors qu'il fit votre garde corps? Ça n'a pas de sens. Vous êtes quand même officier supérieur. Assumez-vous parce que. Déjà, comme on dit, quand le blé, comment dirais-je, mûr, fait le couper. Ça ne sert à rien de mentir. Mais je voudrais poser une question. Est-ce que, quand vous étiez là, Kenga Kenga est entré dans votre bureau combien de fois? Major Christian Kenga Kenga est entré dans mon bureau une seule fois avec Jacques Mugabo. Dengue Nazariao, son qui n'a soit qu'un détachement. Et pas colonel Daniel, mais on a tout à parce que je n'ai même pas vu Chebe à moi. Je ne l'ai pas vu ce jour-là. Je n'ai pas assisté. Ma Mission TV. Le miroir du le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Le commandant police d'audience, adjudant chef Tingi Mobunda Sidik. À vous, mon colonel. Amour. Affaire à coordination 01 RPN numéro 054-11 à cause de l'auditeur général du ministère public et parti civil contre le prévenu qui approche. Commissaire supérieur Christian Kenga Kenga, commissaire supérieur adjoint pour Milamboué, Londres, commissaire Jacques Mugabo Kenzi, prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme. Les exercices faites à qui ça s'est 4 février 2022, le colonel Bondé va agresser du siège. Eric Kibumba. Kibumbe. Mais avant d'y aller, je voudrais demander au ministère public si tous les renseignants sont là, notamment le colonel Mukalaï, le général Djadidja. Ilunga Doudou et Jean-Simi. Kibumbe, Oko Samba na Monogonini.
Appelant notamment Mulamboué na Migabo batanga kikombo na yo. Alors yangwana par rapport na bango yoza renseignant ou est-ce que ça biso ba information autre dans nos besoins pour comprendre misala bango basala ki na likambo wana toyokani. Oui, mon colonel. Orebi, aux arts enseignants, aux arts témointés, aux prêtés sermentés, car si le col aux arts enseignants, aux arts à devoir et pour la vérité, ce qu'on le dit vérité, c'est Mbano et Zali colonel. Tu veux qu'on est? Oui, mon colonel. Bien. Makambo Oyo. Comme on a dit, c'est Eric Kiboumé Banza Saddam. La police, comment vous allez? Je suis la police en 1900 et en 2007. En 2007? Oui. Avant, vous allez quoi? Vous allez dans 4 armées. Armée, dans l'unité? Fort de Sénat, vous allez dans la 10e brigade de la GCSP. Vous allez dans la 10e brigade? Et puis, maman, on continue à la police. Nous avons été dans la 10e depuis. 10e brigade de Nangaï. Ah. Nous avons été dans la 4e JR. Ah, on a dit dans la JR, 10e brigade. Bon. Si 2007. Combanda 1999. 1999, si 2007. Vous avez été dans la 10e brigade, la JR. Bon. Hein? La JR. Oui. La 2007, nous avons. Au Longue JR, au Côté, dans la police. Oui. Vous avez une unité ni? Dans la police, ou bien dans la JR? Dans la police, aussi ici, JR, comme dans 2007. Vous avez une unité ni? Dans la police, nous avons une unité de danse. De danse, ça vous sera mis. Bon, dans le bataillon Simba, nous avons un bataillon Nanga et des tâches qui nous aillent. Dans le service spécial. Nous avons ça à Nîmes, dans le service spécial. Dans le service spécial, nous avons un garde de corps, il y a le colonel Daniel Koray. Grade, Nayo. Grade, Nanga, Nangonga, on a un brigadier en chef. Vous voyez, vous répétez à. Il y a sous-commissaire quand? Je suis venu à Pété à Liboisson, à sous-commissaire adjoint en 2011. Et puis? En 2011. Bon, Soussou. Bon, Soussou. Je suis venu à Mo en 2015. Bien. Yeah. Le renseignement, Ezali Makambo et Leka qui na 2010. Le 1er juin. 1er juin 2010. Na datouana. Ozala qui kosa la nini, ozala qui wapi. Aubi Saddam Tiou. Aubi Nazan Allah. En région d'inspection, inspection générale à la police. Ya Kasiko. Le téléphone est mis balé. Il y a un commandant de la terre qui a été ici à Kingakin. Satan, vous voyez quoi? C'est la fin de la vie. C'est ma. Il y a un peu de temps. Donc, Liboso, balade, c'est Kaboul. Après avoir été là, c'est Sachet. Sima, balade, c'est Sachet. Balade, c'est Kaboul. Sima, balade, c'est Sachet. Le chauffeur a tiqué qui monte au Zaginaé, à côté de la carte du bâtiment, il y a qui côté de côté du bâtiment en sous. Et qu'après, ordre est passé à Maki, dans le Kenga Kenga pour
chauffeur là n'a pas le place là n'a pas pas un aïe côté Yozalaki. Côté Yozalaki, Yona et Régine Inunga, des frères. Mon cousin est où? Mon tour avec une aïe à côté qui n'a pas de bâtiment. À quel moment est-ce que Nathan Gounin y a un aïe à bâtiment à pauvre aïe à côté de nos Zalaki, beaucoup de saïe père à Moutouga, vous savez la même chose. Côté qui n'a pas de bâtiment. Dans le côté qui n'a pas de bâtiment. Major Milambo y a mis les tirs dans le bureau naïf. Pour qu'il y ait un bureau naïf, il va quitter le bureau de Kanda et Nakata Biro. Si on a un côté qui est sous le bureau dans le bureau du colonel Daniel, on a mis ce que ça lui a dit. Bon, Nani a maquillé et si on a eu aux Arabes. Moutouka, au Ezaki Nassimananga et Defender, Ezaki n'a pas de côté moussous. Et il y a mis une entrée, il y a inspecteur général. Et il y a mis une wana. Dès que l'hôtel est malivoré, il s'y m'a n'a pas de côté. Il n'y a 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 pas de côté. Je suis un peu plus de temps. Ngai Nazaraki. Exécution wana pour le bi binonyo so bo sa ki exécution ango yo tango ta pour ba o expliquer baye na baye sachet scotch kagoul nani na ki nango leur bino bo za na na bazar na kati ya mutuka nani amemaki ya ki na biloko. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite observation à la cour. Il y a un avocat dont la cour vient de acter sa comparution alors qu'il gît dans le dossier une lettre de désaveu et sa corporation. Je ne sais pas s'il y a encore une lettre, cette lettre a été retirée parce que la suite logique, la conséquence de droit est claire là-dessus. Cela étant dit, Monsieur le Président, je voudrais avoir des éclaircissements
sur le cas Longwa Cayenne. Tout à l'heure, Eric Kibumbe, pas Zalia Sada, à l'hôpital, toujours ça, la opération, voilà. Hier, vous allez voir ça, la course. Alors, est-ce que a participé à qui à l'assassinat, à double assassinat, il y a Fidel Bazana, il y a Floribert Djebe. Longo Kaye, Azara qui parle d'une opération en Afrique. Azara qui n'a eu le coup, il y a un mot qui a été Colombo, l'inspection générale, qui n'a jamais été entendu. Colombo, Zamba Nitendi kusundula kari na hizi kusundula Mazda wana na kuavwanse amatina motoka ya Defender toki ilongo. Ok, merci. Na 22h, 21h, 19h balubike goza kuvoyaji. Nani a akompanya ki bino na aeroport apart bino tukosala ki operasyon wana? Wana Eza major. À l'époque, il y avait un major congolo. Deux moutons, tout le monde qui est à l'aéroport, à Zongi, il y a un mouton qui est défendu. La troisième question. Je me suis demandé, je vous ai demandé d'ailleurs. Tango au commis la inspection. Est-ce que tout à l'heure, quand on a coupé des fils, il y a Jacques Migaboté pour avoir dit ça, où il y a une inspection. Coup de fil, il y a une inspection. Ok. Il y a une inspection. 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 Ok. Tango, nani bo exécuté Fidel Bazana. Tango sikoyo baye na chebea. Est-ce que bale komona scène wana ndenge bale ko sala? Soko bale komona ngo. A part bato baye la bayaki na ye na mutuka. Banani sou bazaki di banda wana. Bon, gars Nazaré qui n'a qu'à te défendre, un chauffeur noir. Après avoir vu ça, Balungwa qui a dit qu'il n'a pas chauffeur, n'a pas chauffeur qui s'en est allé. Kuna mutu kawane bima ki kuna wame miye e komi na simanangai. Na sutuka ki deje se komi na simanangai. Parce que mouli les arrêts qui vient. On a un élément PEM en tenue de PEM, à part dans un attaque en civil. Mais le super colonel, nous avons un monarque. Et ça, on a entendu ce qui a dit tant. Parce qu'il y a une tenue civile. La Congo et la Banza. Ok. Je pense que à ce stade, le ministère public s'arrête là. Merci. Professionnels d'un certain âge, et nous plaidons régulièrement devant les juridictions militaires. Le ministère public est parti au procès et nous sommes partis jointes. Notre profession est tellement noble que dans la déontologie, nous ne permettons pas aux magistrats de s'ingérer dans l'organisation de fonctionnement de la profession. J'ai été consulté, j'ai un cabinet. Depuis le début, j'ai instruit et j'ai plaidé. Et la déontologie de notre noble profession veut que quand tu as plaidé, tu déposes le dossier, tu suis le procès jusqu'à la fin. Je n'ai pas été désavoué par notre profession. Je vous donne un exemple. Nous étions au procès sur l'assassinat de Ndjé Laurent de Zéré Kabila. On infiltre la défense. On a pris les mêmes méthodes. On vient, on effrite. Non, toi, maître Lé, l'avocat de Chiribagura et du capitaine Nutongwa, on t'a désavoué. Ça, ce sont des manœuvres de bas étage. Moi, j'ai déjà plaidé. Vous avez réceptionné mes conclusions. Mais je dois suivre le procès.
Le ministère public n'a pas qualité pour s'ingérer dans notre noble profession. Il n'a pas qualité. Nous avons divorcé avec le ministère public. J'ai dit, je vous remercie. Nous sommes partis chouettes. Maintenant, par rapport à tout ce qui s'est élevé, c'est maître, ça va. On a divorcé, c'est tout. Divorce entre la partie civile et le ministère public. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le Président, j'avais déposé sur des aveux de mes collègues par la voix des 100 voix, ma cliente, qui fut notre cliente connue. La lettre est là, elle est dans le dossier. Ce qu'a dit le ministère public est exact. Un avocat désavoué ne peut même pas se permettre de venir ici, qu'il suit le dossier en comparaissant. Il peut rester dans la salle comme tout le monde. Il peut être dans la salle pour suivre les débats et à la fin, lorsque vous aurez prononcé votre arrêt, il ira réclamer peut-être ses erreurs, ses honoraires finaux. Mais comparaître devant un acte écrit de désaveu, ça déshonore la noblesse de notre métier. Et c'est pour cela qu'en tant que doyen ici, le plus ancien des avocats dans cette salle, je voudrais demander au confrère Eley simplement de se retirer et de régler son contentieux professionnel avec sa cliente et peut-être aller voir même les autorités ordinales si on refuse de lui payer ses honoraires. Mais comparaître, c'est s'entêter et nous faire perdre du temps pour rien. Je ne vous ai pas accordé la parole. Je crois que nous... Déposé, je suis au procès. Maître Bondo est infiltré dans la défense. C'est tout. Il est infiltré maître, je vous retire la parole. Dans la défense de la voix de Saint-Paul. Retirez-lui la parole. Il a un agenda caché. Tiens, je commence à ma question au renseignant. Eric, la manière dont il nous a brossé les faits, nulle part, effectivement, c'est une des questions de la Cour, nous voudrions y revenir de manière plus précise. Il ne fait allusion à aucune rencontre de planification entre tous ceux qui ont procédé à l'exécution. En l'occurrence, lui, Jacques Migabo, Doudou Ilunga, Bruno Soti, les cinq qui étaient dans l'exécution. À l'une des questions de votre cour, il répond que lorsqu'on lui a donné un coup, le message n'était toujours passé, n'était pas passé, mais c'est lorsque Jacques est venu avec les matériels qu'ils ont commencé l'exécution. Ma question est celle-ci. Comment savait-il que le matériel que Jacques avait amené devait servir à scotcher, à cagouler et à étouffer? Comment il l'a su? Parce qu'il ne donne aucune planification. C'est ça ma première question. Nazali, comment répondre, Bango? Nazali, bosse à Bino Bakonzinangaï. Avant d'en abandonner Bango, est-ce que vous avez dit que Panda. 12 ans, je suis foutu ma paix. Je ne peux pas répondre. Parce que tout le monde a dit que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à ma question. Est-ce que vous avez dit que pendant 12 ans, je suis impayé? Avant de répondre à ma question, je ne peux répondre à ma question. Justice militaire de Sambi Sarabiso. Répondre à la question. Anna. Ce que vous avez un problème, il faut s'adresser au directeur à prison, toucher le ministère public qui est en contact avec l'extérieur. Il faut aller dans la Cambouya, la situation professionnelle dans la binoté. Il faut aller dans la Cambouya. Ce que vous avez un problème, il faut poser directement et pas au ministère public. À vos ordres, je suis un colonel. Mon ami Barazali Major. Moutomi sa tout bazaba de lieutenant, Liboso Nangaï. Même ba chauffeur auto Zalaki Naye, avec les pneus dans le pétaza adjitant Zalaki, brigadier chef.
on a planification. Il y a biloko, il y a matériel, il y a lobby. Quand matériel est ouane et où t'as-tu? N'ayez pas qu'il y a monté. Et ça, c'est que tout n'a pas été. Parce que tant que vous avez eu, vous avez eu un mot, vous avez eu un mot. Mais vous avez répondu. Vous avez eu un mot, vous avez eu un mot, vous avez eu un mot, vous avez planifié, vous avez eu un matériel, vous avez eu un mot, vous avez eu un mot, vous avez eu un mot. Ça veut dire que ces matériels, lorsqu'ils sont arrivés, lui n'en a pas fait usage. Ce ne sont que ceux qui l'ont amené qui en ont fait usage lors de l'opération. Usage, on a entendu, on a compris. Est-ce qu'on s'allait là? Est-ce que yo s'allait là qui matériel ou on a été? Ils ont bima na sachet. Ils ont bima na sachet au bail qui n'a pas. Ils ont participé à blocage. Nous devons être serrés dans ce que nous faisons et il répond à la pour, il ne me répond pas. Lorsqu'il répond, qu'il vous regarde, qu'il ne me regarde pas. A-t-il fait pareille mission en son temps, avant celui-là? Lui était au garage par rapport au véhicule de... son chef, le commandant bataillon, Kenga Kenga, où étaient situés les véhicules du commandant bataillon pendant que lui était dans les défendeurs, avant l'opération? Il y a une voiture, il y a masse des Zaraki qui avait soutenu Express Web, noir sur blanc, que lorsqu'il a quitté l'IGE, il est allé prendre un taxi, si je ne m'abuse, sur 24. Et lorsque le renseignant comparait à l'audience de ce jour, il y donne une version contraire selon laquelle le major Paul Milangwe était dans le véhicule Challenger accompagné de Jacques Migabo et du commandant bataillon Christian Kinga Kinga. La question que je pose au renseignant, qu'est-ce qu'il dit de la déclaration de Paul Milangwe qui a soutenu qu'il n'ait jamais été dans les cortèges criminels et qu'il était parti prendre un taxi seul aux environs, aux alentours de 24. Que bien. Nangonga. Il y a masse de temps où il était le maquis. Patron en a bimi, moutou y a maquis. Nalobi y a mou, bien. Na fin, il y a moussala onga na zone ba. Embarquement. N'a confirmé embarquement. N'a tant que tozo kende. Tozo la vigilance liboso, vigilance na ciment. Soit tu moutou ko tozo na ngon na ciment. Et ça, le colo mou kote le man. To kolingato yeba, na chauffeur na kata ba retrovitro, major na ciment. To ko yeba moutou a kitaki. Major a telemi. Tant que moutou ka, major a telemaki. Moutou a kiti. Et puis démarrer et lundi bisou. Tu as confirmé que mon tout le monde a quitté la carte de concession d'ici que tu es dans la Zambawana. Tu as dit ça. Pour l'intérêt de la justice, nous pensons que cette question exige une confrontation contradictoire entre le major Paul Milangwe et le renseignant comparaissant devant vous ce jour. Si il peut plaire à votre liste, votre cour militaire, de faire venir le major Paul Milangwe là-bas pour qu'il donne. Le renseignant qui comparaît devant vous a soutenu que lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'enterrement criminel, ce que j'ai toujours voulu parler du cimetière criminel. Ils ont trouvé sur les lieux un monsieur en tenue civile.
répondant au nom de l'adjudant Banza. Alors que aux audiences précédentes, à une des questions de la haute cour militaire, il a été posé la question à M. Migabo. Quelles sont les personnes qu'ils ont trouvées sur les lieux? Migabo a soutenu par contre qu'il y avait deux personnes, une en tenue civile et l'autre en uniforme. Alors, quelle est la version des faits que M. Saddam Kibong donne par rapport aux dépositions antérieures de M. Migabo par rapport aux personnes trouvées sur les lieux? Onga na tangi, onga na monaki. Nazamba wana, ndenge tozokota. Ye ajida banza. Akoki kozana geter na ye. Akoki kozana geter na ye. Bo biso musala wana tozo sala ngo e ye boye e continue na ndenge wana. Biso pe makanisi na biso to sala ngo to longwa. E sili. Soki mutu mususu ye inani detna mugabo atangaki akoki kozana na raison. Militaire pourra normalement venir faire. Mais si la cour peut nous permettre de poser la question au présent enseignant, s'il connaît très bien la configuration de l'inspection générale, si actuellement commissariat général, s'il fait nous préciser les deux parkings dont il parle, qui sont au niveau d'abord. Dans l'inspection générale, c'est la première des questions. La période où on a un Zarak. Si on continue à l'inspection générale, on a entré Guéry Tézali. On a avancé au commandant bâtiment Moko à droite. Bâtiment on a plus de deux niveaux. Niveau moko ya munene o le ki bâtiment wana o komona ka bâtiment moko ya muke eza wana et puis bâtiment ya munene côté à gauche côté oyo parking ya ba chef ezali et puis sima wana ezaka administration moko ya transmission za kuna na nani na sima na suka ya parking para des ali batima ya munene ya droite wana ebandeli esai en face parking onga na zotanga eza o eza na gauche bisika na zotanga bisika Mazda wana e parkaki na ebite soki eza parking mais etelemaki liboso ya batima wana leonga na ebi dire à la haute cour à quelle heure la voiture de Bazana et de son chef était entrée dans l'enceinte de l'inspection générale et puis lui il s'est retrouvé précisément à quel endroit. Na monaki er échappé ngai na place nga nazalaki na parking na motuka defender er ne naibiti nazalaki ba pri midi Kwame Milamboué, vous avez suivi la version de fait faite par Eric Saddam, où il y a une séquence où il dit il vous a vu un recevoir monsieur Tchebea et le monter dans votre bureau et deux faits. Le deuxième fait c'est que vous étiez à bord du véhicule Challenger de son commandant, le major Christian Kenga Kenga, et que vous serez descendu quelque part. Qu'est-ce que vous dites de cela?
Je voudrais ouvrir Nalingi Nasa la parenthèse mon cowboy. Procès Oyo Ezali public. Tango kaka esili, réseaux sociaux nonso Ezali inondé. Même Tessika Sadami Azali Azolanda procès Ndenge Ezo s'est déroulé. Parenthèse Oyo Nalobi Ezali Nini. Même cour Ezo tiré attention moko na lingina yebisabino. Ezala Sadam, Ezala Moulang, Ezala Doudou, Ezala Jacques Mugabo, Baza Esika Moko. Bazo se communiqué Bidoko Nini Bakoloba. Je ne sais pas ce qui court Ezali au courant ou pas. Na ce qui wane. A ce qui concerne Ndenge Alobike Amona Kingai na Yambi Chebeya. Na lingina pe sa position ya inspection générale mokonzi ya police azali awa à l'époque soki okoti exactement vérité ezali na entrée principale soki ozokota na droite bâtiment ya sika administratif batongaki mais après bâtiment wana ezali na bâtiment mibale mike moko na droite moko na gauche. Oyo ezali na gauche. Sima na yango ndesika parking ezali. Mais soki mutu azali na parking, mwaye omona entre oyo ya reception, c'est difficile parce que liboso na yo mwa bâtiment muke ezali. Alors ye alobi azalaki na parking. Azali na difficulté ya omona mutu oyo azali na entre na reception, c'est difficile parce que ok. Donc, ce qui osali na parking, oyo azolo, liboso ya parking, moi bâtiment mouke ezali. C'est difficile, au mona yo zana parking, au mona moutou atelemi na entrée ya réception. Ça c'est difficile. Deuxième parenthèse, oyo alobi ke na kitaki na mataki na motoka. Mon colonel. Et fait déjà et yébani. Et de kaki na inspection générale. Pona naruba de va binoke na mataki na moutouka ya Christian Boy. Ça m'écoute quoi? Parce que ce n'est pas pour la première fois na matana moutouka ya Christian. Parfois, bandari kotinda jaki kende ou tika major mouyambwe na inspection. Parfois, soki na zana retard na bengi Christian Boy. Na zana retard na bimi retard, tinda moutouka bazwa. Donc, pona ko matana moutouka ya Christian Boy. C'était régulièrement. Même jour où on a, même ceux qui n'ont attaqué la moto, la lingaki na yebisa tout simplement, que ma, que n'a attaqué, la lingaki na yebisa pour que n'a attaqué na moto ka, n'a attaqué na moto ka. Et vous vous souvenez, Doudou, la landa qui est alobaki que Major Mwilambwe Azamaboko Makasi, Azamaboko Makasi. Pourquoi Lubaki nazana mabako makasi ayebi eloko alobaki na lingina revenir à ce qui concerne voiture ya Chebeya na lobi très bien que Chebeya bayaki kotika ye na motuka na parking oyo Sadam azolobate Chebeya ayaki na makolo na major Christian Boy or azoloba mais motuka ya Chebeya ayaki entre 16h 40 quelques minutes et 17h. Ezalaki na moi, ezalaki na 19h20. Et que parti wana azoloba, et telematu motuka ya Chebeya, mokonzi ya police azali awa, ezali interdiction formelle, moutu nyonso aya kotika motuka, a telema wana. Ezakaka batu misato, batele misaka motuka wana. Moutu ya liboso, azali inspecteur général, ye moko général Johnny Numbi.
naba adjoint na ye mi balé nde batu bazali na accès ya kotika mutu ka tout près ya réception en dehors ya mutu wana batu wana misat mutu mususu akokiko ya kotika mutu ka wana te et en plus forte raison un visiteur qui n'est pas même un général de la police c'était difficile na soki wana mukola na yina songa nanu na mukola ya le 2 Vous ne voyez que le 2 n'est pas connu que le Bumbash n'a pas tout. Oui. Le 2 ou bien le 3 Le 2. Le 2 ou bien le 3 N'a pas tout à le 2 n'a le 3. Alors, pour na Bokende, vous voyez que nous sommes ici, point de départ, point de binaire au Kende, point de Bokende à l'aéroport, et ça là qui va. Au moins, il y a 24, la 24, la résidence. Hein? Résidence il y a inspecteur général. Tout est le Makala. C'est-à-dire qu'il y a aller na retour. Na Katikatiwana, il y a une place moko. Tout est le même. Il y a à distance. C'est-à-dire qu'il y a venu na yé. Donc, tu es challenger, et tu es défendeur yé. Tu es un défendeur, tu es Salanger ici Kawana, na Aveni Wana. Eko kene libera wa. Boy. La famille na yo, mwasi na yo, la bana na yo. Iloko na yo, tikala ki wa. Boy. Mwana na ngai. Na yo, wakini na bana 5, no? 6. Boy, 6. 6. Mwana na kasha niko za kina bamo pamiya. Na kasha ni, na zaayi matika ki mwasi na zini. Tike mwasi na zini. Boy. Jacques Migabo. Bienvenue Jacques Migabo. Moi, colonel. Moi, c'est Hollanda qui bombe. Dans le bac, quand vous êtes dans l'inspection, après, au moment, c'est bien un chauffeur naïf. Et tout le temps, il y a un mitoukabou, il y a un mitendi. Il y a un major Milamboué, beaucoup de gens qui ont été Christian Kenga Kenga. Je pense que nous avons des. Oui, on va faire un bain. Major Kenga Kenga. Major Milamboué, na Jacques Mukabu. Mouto abandaki kokumba eza major. Je pense que Kibumbe iko na sababu sana. Kama na kumbuka mzuri. Na banza azofu kosa na soa kanisi madamu. Ya komi la pele. Paske nga nazaraki parmi na ekipe wana. Nazaraki parmi kome nazaraki kordone ekipe wana. A partir ya soro ngori wa korone. Donc, on a pas de mal à ce que nous avons coordonnées. Et ce qui est. Et quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Le baraki tomati ngana matina muduka ya oiza yake bende ya chebea bangoba matimu muduka oiza kana bende ya banzana Christian alobito landana et puis après ça inscription que de kei na mitere na ferme ya jiji si ya kombi la pere ya baraki ndenga reaction na ibu ya zaki muduka moko na kinga Bon, au colonel, on va dans le lobby, donc on va dans le Ce qui est le chimico, la bille, la bille, la bille, la bille, la bille, la bille, Mbiye, na ebite soi na matakari ya kristiasyo na matia ngo, koronera za komanda na ngai, pei nazari chargea komanda sekretena ee,
kundi mawe na mataki yango mne na mataka muduka neti toke ngele dembeona ya mzee Chebe Marehemu Chebe kumi na inspection general ya polisi bo na laere wana nga nazaki wana kubanda tongo nazaki wana me bisko tangu wazo pesa biso orde na uta wakuro bangwa wapapa se tangu wazo pesa orde eke batu bangwa wana kumo sarabwe mobo mwangobo yinaba ele wakumaki na kare tangu wakumaki nga na mwana kibangote tangu wa ABC biso mwodo kene kubomba watu wana misho mde na esprika kala balakisi biso shoferi ewa na mwoke ndego sara mwobo mahe ndi paske nazo yu kabatu msusu wazo ba wakoloba mwoko bomba ese to bomba ifo koloba deja verite paske toza apo koloba verite naza preveni biosi ne pona roba verite ndi balakisi biso shoferi biso nyoso toza la kawara toke ito zui shoferi toke ina defande avanda tepe azerate paske tseba balobi to bomba e to bomi e sere operasyon de sirisi nga na ke pesa rapor Donc, il y a un défendeur qui est en train de se faire dans le parking jusqu'à défendeur ou jusqu'à Zaraki. Mais il y a un défendeur qui est présent. Donc, il y a un chauffeur aussi ici. Donc, il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a Haiza kusahabu kidogo kama na yae kuwaka lakini tulikuwa siboti hakuna mtu mwenye hada sema haukwaki paski niko nakimbia ili dosia ya chedera sana na hito mutokono bateka zara hiti paski waki magusa chedera njo tukaenda tukamukuta chedera hiko mdekono ya Christian Daniel na majoro mwena mbele mwona kata njo tukamukamata Daniel tukaenda timu defender tukafanya chedera toke na iye na defender tukamu tukabomie na ndege do sare kishofer algures coche akoke kuzwae kunyo ndagi ke kuzwae okuti ariel na ngakenda na mula kana sibe mula nga tema kina eskalie tema ina eskalie ke bore kitere ko kana toke na lo ke sabedi majoro mula mwe a evitu zako kose ya ema kambote haebi tu azaki wana nandenga ya mba chedea soki haeba te balazoro baverite onyo sizo noba mawati haeba ta soki azaki enkrine na asasina te me biso to ebike azaki preza sesa soki azaraka te me biso to ebite ke azaraka siriplas soki ba pe kama haba kumweka ke maile double asasina si atu neto na iwa kama alikuwa kapale azaraka nasema tuliwa kama alikuwa kapreza pa na double asasina ya chede me kama ye haba kumweka ginze ye alisemaka soki ba kresia alimusemaka ke general John Lumumba uyuwe ka presence yako iku kwa ayebite soki presence na yu izali ne biso ba elemento wake mtu owa monaki o asalaki nde o tozolo ba parce que biso na ye toza na ye problème après l'assassinat de Cheba et Bazana et Chebea on leur avait dit qu'ils devaient se rendre à Mitendi plus précisément dans la concession dans votre concession comme deux les propres renseignants ont dit avant. À ce stade-ci, on voulait avoir juste votre réaction par rapport à cette autre déclaration de renseignants qui confirme que ces jours-là, après l'assassinat des deux activistes des droits de l'homme, on leur avait demandé par Christian Kenga de se diriger dans votre concession à Mitendi. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à cette autre déclaration du renseignant Kibumbe aujourd'hui? Néanmoins, si lui il peut apporter des preuves palpables, mais moi je ne connais rien. Kibumbe, l'enseignant Kibumbe. Mon colonel. Oui, est-ce que sur ce colonna, vous avez insisté que vous avez namité de la concession à l'île. Tout mes respects, mon colonel. On a un robot qui est un robot qui est un robot.
Ce qui va le dire, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ni fashikani twiko ni esikani tozali awa ikioteki ni concession ya general Jadija major Jadija ya major Jadija tango wa te mutuna ezapo mutuna eza yo le tango bino komi na kogima na inspection generale tango zozo a direction boku ibakaka ko tibo to te ko bangulu batuni est-ce que ko bako bima na inspection Tobimaki, na ebisa kibino awa bien kie. Chauffeur azala ki na téléphone, bazo communiquer ye. Oui, ba communiquer ye nini. Après ko communiquer a transmettre ngai. Tobimi, tozui route matadi. A transmettre a lobi nini. Ouais. Tuna yango wana. Tozo kende na nini, na concession. Ya colonel Jadija Namitendi. Namitendi a la concession. Oui, a la concession. D'accord. C'est ça l'occupation. À cette époque-là, Baza, il était caporal. Ce n'est pas un adjudant. Et la dite parcelle en question, là, on avait fait la descente. Il n'y a jamais eu un gardien militaire. Jamais. Et je l'avais encore dit. Parce que le renseignant Zéloa voudrait qu'on apporte la preuve. C'est vrai, la preuve ici que les partis civils lui opposent, ce sont les renseignements concordants des différents renseignants et de certains prévenus. Nous commençons par Paul Mouilamboui, qui a dit qu'il n'a pas appris que celui qui le lui a dit dans la Jeep lorsqu'il l'escortait pour l'amener à l'auditorat général. C'est lui qui a dit à Paul Mouilamboui. Jacques Mugabo dit que lorsque nous partions, on nous a présenté un élément même comme étant le garde du corps du général Zéloa Djadidja. Doudou l'a dit. Et aujourd'hui, Eric le dit, toute cette concordance des renseignements sont pour nous une preuve. Qu'est-ce que lui en dit? Parce que lui, il n'a que sa seule parole, mais tout le monde dit le même langage, que c'était sa concession. Qu'est-ce que lui dit de ça? Déclaration de Kibumbe aux autres prévenus par rapport aux déclarations. Maintenant, vous faites un petit glissement en changeant la position, en le ramenant pour établir comme prévenu. Je risque de récupérer mon 249. Et alors là, ça sera du prolongomène. Vous avez toujours, monsieur le président. Vous ne pouvez rien faire sans ça. Voilà. Donc, je vous ramène seulement à ce que nous puissions rester dans le cadre. Vous posez la même question pour dire, vous opposez deux versions de faits. Et par rapport aux autres prévenus, quel est l'intérêt de cette question? C'est ça la question. Parce que, monsieur le président, la démarche, il y a eu une opposition entre Eric et Bungé, parce que logiquement, si nous allons dans cet entendement, ça veut dire la confrontation entre Eric et le général Djadija n'a pas sa raison d'être parce qu'il n'est pas prévenu, parce que tous ce sont des renseignants. S'il vient comparaître, c'est parce que nous pensons qu'il y a un élément que nous pouvons récupérer ici, c'est par rapport au lieu où Fidel Bazana a été enterré par les prévenus qui comparaissent maintenant. Donc il est difficile de dissocier les prévenus qui comparaissent, qui affirment qu'ils ont enterré, enseveli dans la concession de Djadija, et que lui-même Djadija puisse s'esquisser. Et que par rapport à ça, il y a maintenant une autre version des faits venue du renseignant qui comparait à ces jours. C'est pourquoi nous voulions juste le lui opposer. Poser des questions. Allons-y. C'est le prétendant, je voulais un peu éclaircir. Je n'ai jamais eu un garde-corps Banza. Un garde-corps Banza, je n'ai jamais eu un garde-corps Banza.
pouvez vous renseigner même au bâton. Je reste dans les détails. Beaucoup. J'ai déposé ma plainte contre ceux qui déclarent qu'ils ont enterré dans ma parcelle. Qu'en est-il de la suite réservée à sa plainte? Ça fait quand même longtemps que cette plainte a été déposée. Peut-il nous dire ce qu'il en est exactement? Parce que c'est sa plainte. Il doit quand même faire le suivi de sa plainte. Qu'en est-il aujourd'hui? Enseignant par rapport à ces doubles assassinats, que tous se sont dirigés dans sa concession. Ici, dans cette haute cour, nous avons demandé des preuves de la concession autrefois cédée. Pourquoi le renseignant Yadidia ne veut pas apporter la preuve de cette concession cédée? Parce que nous voudrons en avoir le numéro pour en tirer quelques conséquences. Vous avez promis de déposer. Monsieur le la parcelle, avant 2020, vous aviez vendu les parcelles. C'est lui qui est cité pour cette concession à Mitenis. Pourquoi on cite que lui? Il y a beaucoup d'officiers. Pourquoi il n'y a que lui? En d'autres termes, Monsieur le Président, nous étions avec vous quand on avait fait la descente sur l'avenue Djadjidja. Où se trouve la parcelle, soi-disant concession, que les autres ont montré que voilà, la parcelle est là. Et la même parcelle est sur l'avenue Djadjidja. Ça peut être la référence. Cité. Monsieur le Président, je vais lui rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas en vain qu'il est cité. Parce que lui, comme les autres, faisait partie de cette fameuse commission mixte sécuritaire. Donc la mort de Chebet et les autres était connue bien avant. Il le savait. Et c'est lui qui avait cette concession là-bas. On n'est pas parti là-bas pour rien. Il le savait. Ça, c'était sa participation. Qui que Mukoloana Natongo, Mutualibosa Benga Kiyo, Izaraki, colonel Mukalai. Vous confirmez en gros? Je confirme, mon colonel. Alors, pas qui n'a eu ni. Benga Kiyo, la BC Nazanandako. Région de la Lombango, l'inspection générale. Boy, 2 ans et demi. Vous avez qui nan? Gai Nazaraï comme chef section, comme garde-corps naï. Vous avez 2 sections. Angu Abengio Boye na Migabo Bokotaki na bureau naïe. Boye. Non, major Nanga commandant bataille Christian Kenga Kenga. Et ça qui n'a l'heure ni noir. Section générale vers 11h. Bah, il y a un directement. Erigir Azarak déjà, comment Azo ça va course na défendre. Gongawana Tokotaki, na bureau, le colonel Daniel, Azarak déjà après-midi, a confirmé l'heure. Tangu, vous avez une opération, vous avez kende. Mokoz na yo, colonel Daniel Azarak wa. Toti kaki e fait mission nyon so zala ki ko na mission nyon seto zali ko sa azali na kati ya biro na ye. Ba va e vie zo sale ma entre major Kenga Kenga na kokota na biro na ye na kote na biso. Ko bima libanda azali na kati ya biro na ye. TVC opération bokina ki e pa na ye. Boy, ça na rigini. Na vini salongo. Ne pa na ye. Oui, tu écoutes qui est Azaki Pirza. Tu as la qui n'a défendeur. Oh, il y a Moussao. Tu as dit que tu as la qui n'a pas. Tu as la qui n'a pas. Tu as la qui n'a pas. Tu as la qui n'a défendeur. Moussou. Là, je suis Salanger. Prouve qui. Alors, quand vous comme. Aïe, il y a un bâtiment. Oui, il y a un bâtiment. Aïe, il y a un bâtiment. Ok, ça va, félicitations. Oui. Et puis après? Après avoir, ma sangue bima, je suis venu à la bise qui bino. Et pas na ye a te kaka ciment. Depuis à ciment, à l'époque, na ngonga onga na zalaki. Et pas na ye a te kaka lissousou, ma sangue. Y'a pas casier.
ministre qui va s'engager à moto, va passer biso. Et maintenant, moi, on a un moto qu'on a biso. Allez, biso, biso, ok. Va couper sa bino, moi, Mickey, na bino, y a savon. Allez, le bonheur. Le contredire et permettre aux autres d'intervenir. D'entrée de jeu, il vous a tout de suite parlé de 8h, tantôt 11h, tantôt après-midi. Il a dit 11h. Alors, je vous dis que c'est du mensonge. La vérité, c'est celle-ci. Je vous ai toujours parlé du dossier d'exaction. Qu'ils se sont fait coupables. Il y a un cadavre au cachot, au commissariat général de la police, dont ils se sont fait coupables dans le cadre d'une mission que le général John Numbi leur a confiée, sans en informer ni ses adjoints, encore moins notre direction. Parce qu'on aurait dû s'interposer, comme on n'était pas informé. Je continue. Attendez. C'est tout cela qui était impliqué dans les exactions. Je vous ai dit que j'étais dans mon bureau. Donc le 1er juin, là. Non, la veille. D'abord, la veille, oui. Il y avait un groupe de gens que le major Paul Mouilangwe m'avait informé. Des gens qui étaient fâchés, qui tenaient à tout prix à rencontrer les commissaires généraux de la police, pas quelqu'un d'autre, parce qu'ils en avaient marre, tel que j'avais compris. Et quand j'ai dit au major Paul, en fait, Paul Mouilangwe m'a dit, c'est vous l'autorité la plus gradée qui est restée encore là. Est-ce que vous pouvez accepter de les recevoir? Moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez les faire venir. Non, ils sont partis. Moi, j'ai dit, c'était quoi le problème pour lequel ils voulaient à tout prix voir le général? Il m'a dit, ça, je ne sais pas, mais on les a libérés. Moi, j'ai dit, fais tout pour qu'on sache de quoi il est question. Et quelques temps après, le major Mouilangwe m'a signalé qu'ils sont là, on les a vus. On les a retournés. Moi, je dis qu'il fasse entrer une délégation. Le major Mouilangwe, je pense qu'il est venu avec 5 personnes, si je ne me trompe pas, 3, 4 ou 5. Et pendant qu'il m'expliquait, vu la gravité des faits, moi, je m'étais convenu avec eux comme suit. Le lendemain, venez tôt le matin. Je serai avec vous dans mon bureau ici. Je vais leur demander de s'aligner là-bas. Je vais faire une parade là-bas. Il y a la fenêtre de mon... la fenêtre de mon bureau. Je dis, je vais ouvrir les rideaux et puis vous allez voir. Et vous allez commencer à m'indiquer chacun parmi tout celui qui reconnaîtra sa victime, c'est son bourreau. Il va m'indiquer que tel m'a fait ceci, celui-là m'a fait cela. Ok, demain venez tôt le matin. Et c'est ce qui a été fait. Le lendemain, tôt le matin, je suis arrivé au commissariat général de la police. En même temps, j'avais dit à Tony, qui était leur chef d'équipe, appelez tout le monde avec qui vous avez opéré. Je ne leur avais pas dit que c'est pour être auditionné ou confronté avec les plaintes. Non, je leur avais dit, venez, il y a un travail à faire. On va s'entretenir, il y aura un travail à faire. C'est comme ça Tony est venu avec l'idée comme quoi il y a un travail à faire. Quand ils sont arrivés, tôt le matin, ces gens-là, ils ont commencé à m'indiquer tout un à un parmi eux qui a fait quoi. Tout le monde n'était pas venu en ce moment-là, ces jours-là. D'autres n'ont pas répondu. Alors, c'est comme ça que je vais donner les instructions à l'OPJ instructeur, je crois que c'était le colonel Mbombo et la police judiciaire qui gérait le pool des OPJ de la commission tolérance zéro. C'est comme ça qu'il va commencer à prendre des auditions. Et c'est comme cela qu'on a dû même mis en garde à vue pour la première fois le major devenu colonel, je pense, Tony et son adjoint. Pendant que je les avais mis en garde à vue, Papa Moukalaï, les conseillers de presse du général John Numbi, va me téléphoner pour me dire, colonel, tu as arrêté le beau-frère du général. Moi, j'ai dit qu'elle... Okay. Les questions sont précises. Dollars.
Voilà les questions. Monsieur le Président, j'avais reçu les colonels, les majors chrétiens à l'époque, les majors chrétiens seuls dans ma maison. Eux, je ne les ai pas reçus, moi. Mais lui, il était votre garde de corps. À un certain moment, ils étaient affectés. Un détachement qui était affecté auprès de ma sécurité, pour renforcer ma sécurité. Pourquoi ? Parce que pendant la période où on menait des opérations, la commission mixte de sécurité investiguait sur les dossiers de mouvements insurrectionnels, les tentatives de mouvements. Il y faisait partie, ça je ne peux pas nier, il faisait partie de cette équipe-là. Et puis à un moment donné, je les avais remerciés parce qu'ils commettaient beaucoup de fautes. Mais comment est-ce qu'il se retrouve le 1er juin dans votre bureau en face de... Ça c'est faux, il n'a jamais été dans mon bureau avec Christian. C'est lui, ce que j'avais reçu dans mon bureau, c'est Christian avec Jacques Mugabo, pas lui. Tu n'auras toujours à mentir devant la cour. Ça ne sert à rien de mentir. Parce que ce que Eric a déposé aujourd'hui va dans le même sens que les dépositions des autres. Et à ces questions-là posées par la cour, vous êtes en train de dévier. Ces gens-là étaient le premier dans l'enceinte de la police nationale. Ces gens-là, le même jour, à 23 heures, vous avez reçu leur chef qui relayait les ordres que vous donnez à cette équipe d'exécution. Alors pourquoi vouloir dire que je ne les ai pas reçus? Ça pose problème. Vous savez votre chance. C'est pour avoir été condamné à 15 ans. Alors qu'il est prouvé que vous étiez le grand planificateur. Au courant que vous de cette audience, c'est vous qui était la pièce maîtresse dans le dossier Chebeya. C'était vous. Il vient d'arriver. Mais il dit exactement ce qui s'est passé. Maintenant, devant la cour, on dit dans son mari, c'est faux, je n'ai reçu personne. Mais comment lui peut-il mentir qu'il était dans votre bureau, alors qu'il fut votre garde de corps? Ça n'a pas de sens. Vous êtes quand même officier supérieur. Assumez-vous, parce que... Déjà, comme on dit, quand le blé, comment dirais-je, mûr, fait le couper. Ça ne sert à rien de mentir. Mais je voudrais poser une question. Major Christian Kenga est entré dans mon bureau une seule fois avec Jacques Mugabo. Ce n'est pas bien Nazali Yao. Sauf qu'il n'a pas de détachement T. Et pas colonel Daniel. Mais il n'a pas de parce qu'il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Sauf que colonel Daniel a échappé. Alors, mon esprit, wana. Nazaki musika naza présent. Andi Maké, abenga kingai. Andi Maké naza garde corps naï. Andi Maké na ebi, yayen ebele. Alors, je vais chaper naï. Andi Maké, abenga kingai. Na tikati moussala pendant 10 jours. Je vais expliquer que bien bien. Pour avocat, je vais tout faire. Bon ami, on va répondre à tout. Je vais vous dire que Azala qui garde le corps parmi Azo Sala Baere. Bon ami. Il avait quitté l'inspection générale. Mais aujourd'hui, le renseignant du jour nous apprend qu'il est resté jusqu'à la fin des opérations pour s'assurer que les deux victimes étaient complètement assassinées et qu'ils étaient embarqués pour Mitendi. Que peut-il dire de ce qu'affirme le renseignant du jour? Président, j'avais quitté le bureau au crépuscule. J'ai toujours rappelé cela, je le répète aujourd'hui. Hein? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Quitter au crépuscule, c'est une chose. Avoir été jusqu'à la fin des opérations, c'est une autre chose. C'est ça ma préoccupation. A-t-il assisté au double assassinat, oui ou non? La question est claire. Ça ne demande pas un essai. Je sais qu'il manipule le verbe, la langue de Molière, mais qu'il ne tourne pas en brique. La question est claire, qu'il y réponde. Je n'ai pas assisté. Je n'ai même pas vu Chebeya, moi. Je ne l'ai pas vu ce jour-là. Je n'ai pas assisté.
se souvient-il que Paul Mirambo l'avait appelé pour dire que je vais être à son bureau. Il a dit ça, je reconnais. Vous m'avez même posé la question, pourquoi vous n'avez pas pris des dispositions? Moi, j'ai dit que Tchebeya était entre les mains du commandant de la sécurité, de l'IG. Vous l'avez vu, ce jour? Je ne l'ai pas vu. Je réponds parce qu'il parle du téléphone, parce que Mounambo m'avait informé. Il vous a informé? Oui, oui. Tchebeya s'est trouvé entre les mains du commandant de sécurité. Qu'est-ce que moi je pouvais faire? Lorsque les défenseurs des droits de l'homme sont passés pour rechercher Tchebeya, peut-il se souvenir de ce qu'il leur avait dit ce jour-là? Qu'il était resté jusqu'à 20h à l'IG en train d'attendre le passage de Tchebeya qui n'est jamais arrivé. Est-ce qu'il peut confirmer ça? Parce que ça s'est couché dans l'arrêt. Ça, c'est faux. Moi, je n'ai jamais dit que je suis resté à 20, jusqu'à 20h. 20h, j'étais au restaurant à Delise. Je n'étais pas au commissariat général. Monsieur le Président, je voudrais vous expliquer un petit détail important pour que vous compreniez le climat d'abord qui existait, le climat délétère, pernicieux, qui existait entre moi et eux par rapport au dossier que moi j'étais en train d'instruire. Et c'est votre garde de corps? Non! Jusqu'au 1er juin. Non, mon colonel. Vous savez comment ils travaillaient auprès de moi? Ils ne sont pas des services. L'équipe qui a été relevée là, si elle part, ils sont à la disposition de leur commandant qui les utilisait à son gré. Moi, je ne les contrôlais plus. Et quand ils étaient auprès de moi, c'est chaque fois qu'il y avait des problèmes. Jusqu'à créer des problèmes même au sein de ma femme de mon foyer. Monsieur, nous avons encore des questions, nous continuons à poser des questions. On va leur finir. Attendez. Il y a des questions par rapport. Maintenant, un message. C'est l'un des babanais, vous serez en train de présent. Alors, moi, c'est à Tchebeya, à Tindri Moubarinae, message. Il y a à répondre à Ebisie que. Répondre à elle. Christian a répondu à Ebisie que. J'ai une réaction par rapport à tout le mensonge qu'on est en train de focaliser sur moi. Je voudrais vous dire quelque chose de très important pour que vous puissiez comprendre. Il y avait, je crois avoir parlé une fois, de la rivalité qui naissait. Une sorte d'épreuve de force. Pourquoi? Quand le conseiller en matière de presse du général m'a appelé pour me parler de l'arrestation du beau-frère du général, effectivement c'est Tony. Il m'a dit ceci, colonel, tes détracteurs sont en train de te diaboliser auprès du général. Faites attention. Lorsque nous sommes au commissariat général, pendant que eux attendaient d'être auditionnés auprès du colonel Mbombo, de la police judiciaire, la tolérance est zéro, Mbombo venait de terminer d'auditionner l'adjoint de Tony. Il avait pris le large après avoir constaté que le fait, le reproché était grave. Il l'a fui. Quand il s'est soustrait, mon garde du corps, Robert, que j'avais mis là-bas pour leur dire, ces gens-là qui sont là, qui ne se déplacent pas, parce qu'il faut attendre que l'OPJ termine l'instruction avec les gens avec qui il avait commencé, surtout les plaignants. Robert tentera de pourchasser l'adjoint de Tony. Eux, ils lui ont ouvert les cages des chiens pour empêcher que mes gardes n'atteignent leur complice. Et c'est de là qu'il va se passer des propos menaçants à mon endroit. Robert viendra me dire ceci. Mon colonel, je crois vous avoir dit ça. Mon colonel, Baninga Nabusu a battu aussi ma baza Mara Moutier. Parce que le Bamabe Ponayo, si ta chose a bien été pour la Bisoto Longwawa. Je crois vous avoir dit ça. Le major Christian Goï Kenga Kenga, c'était lui le receleur. Je lui faisais pression pour qu'il retourne des ordinateurs, des téléphones, des valeurs de ces gens ici qui les ont eu à extorquer dans le cadre des exactions qu'ils avaient commises. Parce qu'il fallait qu'il lui fasse rapport. Il ne s'était pas exécuté.
Et dans cette ambiance-là délétère, des rivalités, des preuves de force, le fait que le général est lui-même qui m'a donné l'ordre de les arrêter, c'est lui-là même qui leur donne l'ordre de tuer Tchébéa. Vous comprenez qu'ils se sont sentis à un moment donné qu'ils sont puissants et qu'ils sont intouchables. Et moi, comme je suis en train de dénoncer, comme j'ai commencé par dénoncer, vous ne savez pas ce que je reçois comme menace. Depuis que j'avais décidé de dénoncer ce qui s'était passé, parce que si j'étais en fait complice, c'est mon général, mon colonel, je serais galonné aussi comme eux. Pourquoi c'est seulement Paul Mulambo et moi qui n'avons pas eu de promotion en grade? Pourquoi? Parce que nous étions tous condamnés dans la même scène, dans la même cause. Vous comprenez? Pour aujourd'hui, il n'y a plus de raison que nous ne puissions pas reprendre le cours normal, c'est-à-dire par les plaidoiries. Il nous reste seulement à nous convenir à la date, c'est le mercredi prochain. Oui, le 16 pour les plaidoiries. Merci. Succès, l'audience est libre. Gardez-vous, portez en main, immobile. C'est le président de la haute cour militaire, mon colonel, audience de ce jour élevé. En votre nom, mon colonel. Mission TV, le miroir du...